Baptiste Grégoire, il vient de recoller. Allez, on va
remonter direction la voie ferrée, longer la voie ferrée, plonger direction la salle de la musique. Allez Quentin, c'est bien, allez. Premier mascara, Stéphane Mison, arrive au niveau du VR, il a passé à pied, vélo sur le dos, voilà, il fait tout à pied, peut-être la meilleure solution actuellement, prend pas de risque. VR Denis Marais, hein, qui est loin pour l'instant. Et on doit avoir eu 25-30 secondes d'écart. Allez, Stéphane Mison, on va finir direction à l'arrivée. Seul en tête. Tout le monde sait ce qu'on passe de la barre. Quand on rappelle, le parcours a été un peu modifié cette année. Plus de passage sur le terrain de pétanque. Au niveau de la redescente du gymnase, Baptiste Grégoire qui a accéléré, qui a décroché Baptiste Roussel de Sahou, qui a filé un sale fait les frais de cette accélération. Voilà, on voit tout de suite, attention. Allez, il y a un petit trou qui s'est effectué. Allez, Théophile Vincent qui tente de s'accrocher. Baptiste Roussel qui rentre sur Baptiste Grégoire. Allez, attention, accélération de Baptiste Roussel sur la croix de Baptiste Grégoire. Ils vont arriver pour le deuxième passage derrière le gymnase. Derrière le gymnase qui vient de retourner Sylvain Vassal sur le duo de tête. Troisième en tête en cadet. Allez Patrice, c'est le plus beau. Allez Patrice. Il va ça là, qui accélère sur le bas du délai avec Baptiste Grégoire dans sa roue. Allez, ça glisse, on voit que le fusil est obligé de descendre du vélo. Baptiste Grégoire descend aussi. Il n'y a que Baptiste Roussel qui a réussi à tout passer en vélo sur le haut du dévers. Ah, ça a été un avantage conséquent. Allez, on est obligé de remonter sur le vélo du côté des deux autres cadets. Allez, pour l'instant, une très belle bataille qui se livre aux trois premiers cadets. Allez, pourquoi ça? Allez, Grégoire, allez. Pour l'instant, on s'intéresse vraiment à la bataille entre les trois premiers cadets. Allez, Baptiste Roussel, Baptiste Grégoire, Théophile Vassal, Dostor Duvela. Et Baptiste Grégoire, qui prend l'intérieur à ses deux adversaires. Allez, c'est le dernier tour pour les cadets. Dernier tour. C'est quand on passe par le haut du couvert. On a vu, hein, ces deux adversaires ont été obligés de descendre du haut.
du côté des masters. Hein. C'est la femme de maison hein, qui est toujours en tête. Denis Mandone. Ah, c'est pas 10 ans, hein, c'est pas un énorme coup, hein, c'est pas un éditeur. Allez, Stéphane Maison hein, qui remonte sur son vélo là après avoir remonté un peu le dévers. Après la plupart des cadets ont engagé aujourd'hui, hein, ils ont participé au manche des Coupes de France actuellement, hein, ce cyclocross. Allez, allez, allez. Baptiste Grégoire et Théophile Vassal. Et derrière, c'est Théophile Vassal hein, qui est deuxième. Baptiste Grégoire, il n'est pas dans la rue. Allez, Baptiste Rouxel qui passe devant le gymnase. C'est une dernière qui court. Voilà, il relance directement. 10 secondes à boucher. Allez, est-ce déjà trop tard ou pas ? Il est descendu du vélo, qui a passé les planches à pied. Allez, Théophile Vassal hein, qui va choisir de les passer en vélo. Voilà, déjà ça lui apporte un avantage. Allez, il y a une petite dizaine de secondes, Zenfa. Allez, est-ce que Baptiste Rouxel va retenter de passer le haut du dévers sur le vélo ? Lui qui, au tour précédent, ça lui a permis d'avoir un avantage. Allez, attention les masters, hein, ne pas gêner le premier cadet. Voilà, Baptiste Rouxel au milieu du dévers sur le vélo. Allez, il est obligé de descendre du vélo derrière Théophile Vassal hein, qui décide de passer tout le délire à pied. Allez, Baptiste Rouxel hein, qui prend la solution avantageuse de tout passer à pied, comme Théophile Vassal. Les deux premiers de cette course cadet, qui au passage sur la ligne s'arrêteront. Baptiste Rouxel, ça va ultimer la victoire. Ah, ça s'est bluffé hein, pour rien d'arriver. On va pouvoir savourer cette victoire. Puis qui a gagné la Coupe de France de cyclocross. Allez, hein, c'est fait. Baptiste Rouxel qui va terminer vainqueur du cyclocross de Rotterdam 2021 catégorie cadet. Baptiste Rouxel. Voilà, deuxième place, hein, c'est Théophile Vassal. Et normalement, on ne va pas tarder à apercevoir le troisième cadet. Une bataille entre Nathan Meyer et Yanis Guillet. Allez, ça semble fini pour Yanis Guillet. Nathan Meyer a pris le meilleur. Allez, Baptiste Lebrun hein, qui rentre pour suivre Yanis Guillet pour essayer d'être dans les 5 premiers. Allez, pour la troisième place, c'est donc Victor Schneider. Normalement, ça semble plié. Nathan Meyer, 4e. Yanis Guillet qui va terminer. Allez, on rappelle les cadeaux, passage sur la ligne, vous arrêtez tous. Le passage sur la ligne du Pro Master, ce sera le dernier tour. Voilà, qui au passage sur la ligne, on prendra son dernier tour. Stéphane Louison hein, pour le Vassal Bertoni Benoît. Cyclocross de Rotterdam 2021 en catégorie master, Stéphane Louison. Allez, derrière. Cyclocross de Rotterdam qui a rappelé à changer de parcours hein, cette année.
Le passage au niveau de la piscine est évité, Juan Pétanc ne se fait plus. Plus de partie dans le champ. Il est pour des terres aux concurrents. Denis Marais qui en termine à la deuxième place. C'est Cyclocross de Valéon 2021. Il y a Gilles Marguet qui a fini pour le laisser mettre comme une Sophie, s'il te plaît, Sophie a demandé à la buvette.